parle à ma cousine. C'est le papa. J'ai besoin d'eau maintenant. Je vais demander, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai bien dans ta tête là. Je ne te parle pas. Tu n'es pas ma mère. Je ne suis pas ta mère, ça veut dire quoi? Va prendre le soin, je ne peux plus l'eau. Tu fais là comme si tu n'as qu'à accoucher d'abord. Je pense que pour nous, quoi ça. Tu me demandes comment je vais. Tu n'as pas vu ce qui vient de se passer. Ouais, bien vu, non. Je vais d'abord voir comment tu te sens. Non. Tu sais que les enfants de Julie sont tous comme ça. Tu es sa mère. Du coup, il faut quand même supporter la chose. Il faut qu'ils s'habituent d'abord. Ne vois pas tous les gens comme si. C'est pas un métier à temps que tu es. Il faut d'abord qu'ils s'habituent avec toi. Après, d'abord, ils connaissent. Non. Donc, c'est hier que je suis avec son père. Il comprend que vous êtes l'ensemble depuis. Tu as essayé d'en parler à ton mari. J'ai déjà essayé d'en parler avec lui, mais rien ne change de toutes les façons. Écoute, tu sais, nous tous nous sommes passés par là. Et du coup, lui, tu vois même dans son cas, tu n'es pas vraiment sa mère. C'est pas pour te manquer, c'est juste une façon de parler. Tu n'es pas vraiment sa mère, donc il n'arrive pas vraiment à t'entendre avec toi. Il faut d'abord l'amener à voir comment la vie fonctionne. Il est encore tout jeune, gamin. Essaye de discuter beaucoup avec lui. Essaye vraiment d'avoir discuté. Il va entendre encore plus. Ouais, okay, bye, vas-y. Mon bébé, ça va? Ça va bien, maman. C'est comment? Ça va bien. Tu parles comme ça? Non, il est passé seulement. Ton père là? Oui, il est là. Tu sais qu'il est une bonne mère pour toi, non? Ah, je vois. Voilà. Donc, quand il sera avec ton père là, tu ne vas manquer de rien. Je vais tout te donner. Tu sais, non? Ok. Tout ce que tu veux, tu me demandes. Oui, maman. Oui. Attends, je te donne de l'argent, tu vas acheter tes beignets. Ok. Alors, cherche tes beignets. Et la petite femme de ton père, elle est là? Elle est là, non. Ce matin, elle m'a envoyé partir plus tôt comme c'était son enfant. Et tu es parti? J'ai balancé le sol là-bas. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Quand je vais arriver là-bas, non. Quand je t'envoie, tu pars. Tu sais que je suis ta mère, non? Mm-hmm. Je suis ta mère. Donc, il faut faire tout et pour tout pour que la fille, là, non. Elle, c'est une sorcière. Faut qu'elle parte. Tu suis. Oui. Et qu'elle part là, je vais venir rester venir avec toi. Tu seras content, non? Oui. Voilà. L'argent là, non, tu vas acheter les bonbons et les beignets avec elle. Ok. Ok. Bye. Tu dis à ton père qu'on s'est vu. Ok. Bye bye. Maman. Bye bye, mon bébé. Bébé. C'est quoi le jardin? Tu es souvent non comme ça, c'est quoi? Il y a quoi? Assieds-toi là-bas. J'espère que c'est même pas encore que j'ai fait quelque chose. Parce que tu es toujours comme ça là que tout ce que j'ai fait, si j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis fatiguée. Franchement, je suis fatiguée. Je ne peux plus supporter ce que ton enfant me fait. Comment? C'est quoi? C'est quoi encore? Si elle savait, moi je ne venais pas ici au village. Parce que je ne peux pas supporter ça. Ce matin encore, ton enfant m'a manqué le respect. Ça demandait que j'accouche ma part à l'enfant. Il est où? Il est à l'intérieur. Il fait quoi à l'intérieur? Il ne connaît pas. C'est seulement qu'il venait de rentrer. Il vient à vous de rentrer, qui sort d'où? Siméon! Papa! Donc toi, tu suis ma voix, tu es dedans tranquillement. C'est quoi? Qu'est-ce qui va pas dans la maison ici? Papa, comment? Tout va bien, il y a rien. Ce matin, qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Et l'histoire qu'elle me raconte là, comment elle t'a envoyé, tu lui as dit qu'elle accouche sa part d'enfant, ça sort d'où?
Mais c'est pas, moi c'est pas de raison. Voilà l'enfant qui dit qu'il ne sait pas d'où tu sois avec ça. Toi, tu dis que c'est quoi maintenant? Je suis fou. Ok. Ce matin, je t'ai pas envoyé, tu as refusé. Tu es ma mère. Yeah! 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 Tu as compris? Tu as pour mon soutien balancé, non? Tu as pour mon soutien balancé, tu es parti, non? Réponds quand on te parle. Je demande, moi je suis, toi tu m'as déjà fatigué. On a eu cette conversation plusieurs fois toi et moi. Il t'a dit que c'est ma femme, c'est ta mère. Et tu es son fils. Ici elle prépare, tu manges, n'est-ce pas? Oui, tu ne manges pas. Elle mange. Quand elle te fait des cadeaux là, tu ne prends pas. Je prends. Mais maintenant tu dis qu'elle accouche sa part d'enfant. Donc tu te dis que moi, que la mère c'est celle qui t'a accouché. Donc devant moi, tu manques de respect devant moi, là là là. Et je te parle, monsieur, tu casses la démarche, je suis grand. Je veux faire quoi de toi? Papa, ce n'est pas ma mère, je ne l'aime pas. Elle ne doit plus jamais m'envoyer. Je me vois avec lui. Voilà. Ah. On a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça. On va parler d'une même chose tous les jours. Je sais pas, moi je... Non, voilà. C'est bon. Voilà quoi? Okay. Ta prière sera exaucée. Laisse-moi tenir. Je ne peux pas faire 4 ans dans l'obscurité. 4 ans avec un enfant têtu comme ça là. Il va m'accepter quand? Ça veut dire quoi? Attends, on va, n'attends rien. Tu vas continuer ta vie avec ton fameux. Ouais. Tu as la chance que tu as passé dans ta vie. Je vais te gérer si tu allais voir. Laisse-moi trouver une solution. Toi dans la maison, toi tu m'as déjà dépassé, je ne sais pas, je veux faire comment? Maman ne l'aime pas, c'est pas ma mère. Donc comme je ne suis plus avec ta mère, c'est maintenant que même je ne veux pas avoir une autre femme. Vraiment, ce que tu fais, calme. Je vais te laisser avec ton père, j'espère que tu vas l'épouser. Allez, pardon, laisse-moi. Attends, je vais t'appeler, on va arranger le problème ici là. Ouais. Voilà, je savais. Donc je ne peux pas être heureux aussi, je ne peux pas être heureux. Pourquoi tu fais ça? Quoi c'est la source, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es un grand garçon, tu as les bracelets, tu es bien. Tu es bien. C'est comment non? Ça va. Ah, c'est temps. Ça va, ça chauffe quoi et tout là, non? Il y a encore. Voilà ma femme qui vient de partir. Eh, pourquoi? Je sais qu'elle veut te dire. Tu sais qu'elle veut te dire quoi? Je suis dépassé. Où c'est qui? Je ne sais pas qui est celui qui est là devant moi. Je suis dépassé, je ne sais pas. Je n'ai même pas prévu coup bavarder. Ton vrai ou ton garçon sinon. Je ne sais pas ce qui arrive à ton fils depuis. Avant, je ne le connais plus. Si tu savais ce qu'il a fait à ta femme ici le matin, c'est toi-même tu allais même pas rester là. Si c'est tu devais abattre que celui. Oh, on envoie. Il prend le sur balance. En venant même ça, quoi, il me prend. Il prend le sur balance. On dit faire comme si, oh, c'est pas ma mère, c'est pas ma mère. Ça, c'est pas. C'est le meilleur qu'on a conduit depuis enfant. Bref. Parle à ton fils. Bref. Ta femme, comme elle parle, bref, elle doit partir. Elle est vraiment en colère d'après tout ce qu'il a fait. Non, c'est pas bon. Parce que je suis parti que ça allait me voir, c'est pas bon aussi. Là, j'essaie de parler à ton fils et tu appelles ta femme, tu peux le dire avec. Ça va, c'est tout le monde, tu vois. Non, elle va comprendre. C'est tout, c'est ton fils au problème. Monsieur, toi tu es là depuis, toi ça ne te dit rien, toi tu t'en fous. Les gens parlent, toi tu t'en fous. Toi tu t'en fous. Bon, maintenant on est dans la position, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qui va préparer la nourriture? Qui va préparer? Qui va laver les habits? Tu vas laver les habits, tu vas préparer. Papa, il y a une femme ici au village, comme je veux qu'elle soit ma mère. Oui, elle me donne vraiment beaucoup les choses ici là. Papa,
Donc toi, tu as tes alliances. Jusqu'à c'est toi mon fils, à ton jeune âge, c'est toi qui me cherches déjà. C'est que tu dis que tu veux que c'est ta mère. Va donc la chercher, non? Tu fais un gros poids là. Va la chercher donc. Papa là-bas. Bonjour. Attends d'abord, attends. Je crois qu'il y a un truc que nous n'avons pas. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien? Ça va bien. Ok. C'est qui? Elle vient d'où? Elle s'appelle comment? Vous avez fait comment pour vous connaître? Je suis en train de perdre la tête là. Madame, c'est quoi? Oui. Ça n'a pas d'importance. Tu vois, je suis déjà là. Et je t'aime, tu m'aimes donc. Non, comment tu. Que tu es dans ma tête, tu as l'assurance. Tu es dans ma tête, tu es dans mon cœur quand tu dis que je t'aime. Tu t'aimes où? Je te connais. Ah! Abba, ça c'est une belle femme. Moi je veux qu'elle soit ta femme. Yeah! 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 Aïe aïe aïe! Ces enfants du pays ici. Le Cameroun c'est un continent vrai. Donc toi, tu connais, elle est belle. Bon, mais attends, je ne connais. Non, toi tu apprécies déjà les femmes. Tu dis qu'elle est belle. Voilà une belle femme. Elle est bonne pour toi. Tu connais ce qui est bien pour moi, Simon. Tu connais ce qui est bien. Ce qui est bien pour moi est parti là tout à l'heure. Toi, tu viens avec. Je sais même que. Tu t'appelles comment? Avec au pardon, je ne suis pas bien. Donc, tu penses que je ne suis pas une belle femme? Madame, est-ce que j'ai dit que je n'ai pas une belle femme? Je n'ai pas dit que je n'ai pas une belle femme. Mais moi, je ne te connais pas. Et je ne peux pas m'engager sur un terrain que je ne connais pas. Voici le monsieur avec qui tu as traité. Moi, je ne te connais pas. Et par conséquent, moi, je n'accepte pas ce genre de truc. N'essaie pas les relations comme ça, donc vous pouvez rentrer chez vous. Je fais rentrer. Tu sais ce que ton père dit, non? Tu sais ce que ton père dit, non? Sache que où tu es placé là. Comme tu es placé comme le poteau là. Tu vas alors remettre tout ce que je t'ai déjà donné. Ne menace pas l'enfant. Tu es pas arrivé chez quelqu'un, tu menaces l'enfant comme ça là, c'est quoi? Je ne sais pas, calme, reste assis là où tu as. C'est mon enfant que tu es en train de parler comme ça là. C'est ton enfant quand je donnais les choses, tu étais là. Je dis que tu vas me remettre tout ce que je t'ai donné. Et donne pas. Tu suis non. Donne pas. D'ailleurs, mais. Moi, je suis même pas avec toi. Imagine que tu dis là que. Oh, tu ne veux pas. Tu as vu le sac. Je suis venu avec le sac. Tu vas seulement supporter. Je vais entrer là-bas. Et ton fils a lui montré la chambre. Donc, les machines, les connaissent que tu dis là que tu veux pas. Je suis même pas avec toi. En bas, tu vas me montrer la chambre. Avant ça, tu vas me montrer.